Hey yo les gens, c'est Ous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur Heroes of the Storm pour tester le petit personnage Jaina de l'univers Warcraft, un personnage très important et que j'apprécie pas mal. Et donc là sur ce jeu, c'est un assassin à distance. Donc en gros, c'est une mage Frost, un mage givre, comme on peut la connaître sur WoW, avec des skills qui vous rappelleront beaucoup de choses, hein, éclair de givre, blizzard, cône de froid, etc. D'ailleurs, un petit tour sur les skills pour commencer. En A, nous avons l'éclair de givre qui va infliger 65 points de dégâts, ainsi que glacer les cibles. Vous allez voir ce que ça fait de glacer les cibles. Donc vous voyez, la portée est plutôt intéressante. En Z, nous avons le blizzard. Donc là, on bombarde une zone avec deux vagues de glace qui infligent 61 points de dégâts et qui les ennemis blessés sont glacés, qui glacent aussi les ennemis. En E, nous avons le cône de froid qui glace et qui touche tous les ennemis dans le cône. Ensuite, notre trait, c'est morsure de givre. Toutes les capacités glacent les cibles, ce qui réduit leur vitesse de déplacement de 25% et augmente les dégâts de vos capacités de 50%. Donc en gros, c'est très intéressant puisque tous les skills que vous allez faire, là vous voyez blizzard, vous voyez éclair de givre, ça gèle les cibles et toutes les cibles glacées vont prendre plus de dégâts et vont être ralenties. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On est sur un assassin qui a un burst assez intéressant, mais en plus de ce burst, eh bien il peut, on va dire, contrôle les cibles. Donc c'est pour ça que ce Jaina, j'apprécie beaucoup ce personnage. Alors là, nous allons prendre quoi? Nous allons augmenter la durée du froid persistant, donc qui passe de 4 à 6 secondes. A chaque fois que je vais toucher quelqu'un, mettons avec un blizzard, eh bien pendant 6 secondes, je vais augmenter les dégâts que je vais lui faire. Donc vous voyez, en termes de burst, il y aura moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, voilà. Allez, maintenant on va se concentrer un petit peu sur la game. Ils sont 3 ici. On va essayer de faire gaffe quand même à pas trop perdre de vie bêtement. Et gratuitement surtout. Il y a la petite Lily. Non, là j'ai fail mon con, c'est pas très grave. Qu'est-ce que fait Sylvanas, hein? Sylvanas, encore un personnage que j'ai vraiment envie de jouer. Mais 10 000 boules, le petit personnage, il va falloir être patient, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les mines qui ouvrent dans 15 petites secondes. Ce qui serait bien, c'est de retrouver un petit peu les collègues. Je regarde sur la map, ils sont un petit peu partout. Est-ce que certains vont rentrer par le bas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ils sont deux ici. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Jaina, qu'est-ce qu'elle fout? Mais il faut pas ramasser des fleurs, là. Il faut arrêter un petit peu. Il faut se battre. Vous voyez un petit peu? Elle s'est barrée, voilà. Pff, rien à faire. Est-ce que je vais me faire poursuivre? Je ne sais pas. Arthas, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, oui. Jaina, elle est là. Elle joue les objectifs, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir se battre. Voilà, Jaina. Tu vois un petit peu, il y a des gens sur toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Please! C'est pas vrai! Elle se laisse martyriser. Qu'est-ce qui t'arrive, Jaina? Enfin, Sylvanas, pardon. Je sais pas pourquoi je l'appelle Jaina. C'est moi, Jaina. Là, d'ailleurs, la Jaina adverse, est-ce qu'on peut la tuer? Je ne sais pas. J'ai plus de mana. Allez, on va choisir quoi? On va... Voilà. On va améliorer l'éclair de givre qui va transpercer la cible. Hein, ce qui fait que... il va toucher une première cible, mais il va la transpercer et en toucher aussi une deuxième. Nous avons Lily qui se bat contre Raynor juste en bas. Que va-t-il se passer? Est-ce que j'aurai de quoi faire une morsure de givre ainsi qu'un éclair de givre? Yes, papy. Par contre, j'ai plus de mana, ça risque d'être un petit peu compliqué pour gérer la suite du fight. Je crois qu'on est à peu près tous dans la même galère. Nazibo, tiens, hop, toi tu vas te prendre. Je le sens bien. Aïe, 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 aïe. Non, voilà, voilà. Je le sentais pas, par contre, pour le coup. Là, il y a Mouradin qui me poursuit. Bon, là. Attendez, oulala, oulala. Là je fais le malin, mais si j'ai plus de mana, ça risque d'être un petit peu compliqué. Surtout que nous avons notre ami Sylvanas qui peut-être va se sortir les doigts du cul. On ne sait pas. Et ben moi j'en plus, oh là là, en plus je loupe, hein, comme vous l'avez vu. Je viens de louper mon éclair de givre. Ça c'est typiquement, ok ça passe. C'est typiquement le genre de skill sur lesquels il va falloir que je m'entraîne, hein, ceux où il faut, viser, tout simplement. Mouradin là. Attendez, il y a Jaina qui est full life, il y a Tyrael qui va mourir, il y a Mouradin qui me pourchasse. Donc je suis désolé, mais il va falloir que je me casse. Hein. Sans mana, je ne sers à rien du tout. Est-ce qu'il serait pas plutôt intéressant que je back carrément? Moi je pense que si oui. Hein. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'il fait lui. Aïe, 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 aïe. Nous avons Lily ici qui risque d'avoir ma peau si je fais trop le malin. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre à la maison, on va la jouer plutôt safe. Alors là, nous avons malheureusement que 21 crânes et l'ennemi en a 41. Hein, donc, autant dire que là, il a pris pas mal d'avance. Est-ce que j'aurai le temps de foncer dans une mine pour les aider à en récupérer encore un petit peu? Je ne sais pas. Où sont nos amis? Là, nous avons Raynor qui vient de rentrer dans la mine. Là, dans la mine, ça se fight pas mal pour le gros vilain. Je pense que j'aurai le temps d'arriver à temps.
On va voir ça tout de suite. Allez, 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 Nazibo, pendant qu'il est en train de push. Nous, est-ce qu'on peut aller ramasser un ou deux kills? Là, nous avons Moradin qui essaye de s'échapper. Je suis en monture. Donc il a beau sauter autant qu'il veut, il va prendre. Eh bien non, malheureusement, j'arrive trop tard. Par contre, là, nous avons Lily. Donc, est-ce qu'on va les aider à faire le boss? Oui, hein, même si ça y est, il est déjà mort. Il y a Nazibo qui arrive, on sait jamais. Hein, on va éviter de laisser nous voler quoi que ce soit. Voilà, là, ce serait bien de le tuer aussi tant qu'il est là. C'est clair. Ici, malheureusement, j'ai trop anticipé sa trajectoire et ça n'a pas fonctionné. Voyons un petit peu, à chaque fois, j'essaye d'anticiper les trajectoires, mais faut pas anticiper les trajectoires en fait. Parce que si on anticipe les trajectoires, bah, le mec, comme un débile, il va tout droit, il s'en balance quoi. Et puis on est là comme des cons à se dire bon bah merde. Ah là là, il va vraiment falloir que je m'entraîne hein, sur cet éclair de givre. J'en loupe quand même pas mal, mine de rien. Alors là, nous avons 47 et eux 53. Ouais. Notre golem est un petit peu plus faible qu'eux, mais ça va. Alors là, nous sommes au rang 7. Rang 7, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre le froid mordant qui augmente les dégâts, le bonus de dégâts. Vous voyez ce froid mordant, hein, mon passif. Lorsque j'envoie des dégâts à quelqu'un, eh bien, il est glacé pendant 6 secondes et il prend 65% de dégâts en plus. Donc c'est quand même pas dégueu. Alors là, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh bien, on va essayer de le repousser, hein, tant bien que mal. Là, là, par contre, si le mec arrive à me taper à travers la barrière, ça va pas le faire. Là, on a de quoi se guérir, donc on va le faire tout de suite. Un petit éclair de givre, un petit blizzard. On essaye de balancer un petit peu tout ce qu'on a, éclair de givre. Malheureusement, bon, bah là, c'est détruit. Est-ce que notre golem fait du bon travail? Je ne sais pas. C'est parti. Mais là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hein. Hop, 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 Tyrael, 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 qu'est-ce que tu nous fais? Tyrael, il voit qu'il a pas la place, il voit qu'il peut pas passer. Au lieu de se barrer par le nord, eh bien quand même il essaye de faire forcing. Et puis ben voilà, il crève. Il décède. Voilà, là encore un petit éclair de givre. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer avant? Oui, oui, on va pouvoir le tuer très très vite. Très bien. Bon, là par contre on dégage. Mais non, mais j'ai bougé, voyons. Regardez un petit peu ma vie là, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On fait le point. Notre golem est encore en vie. Qu'est-ce qu'il fait de beau en haut? Est-ce qu'il push? Il a l'air de faire quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, ils sont entrés carrément dans la base. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et nous, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On va plutôt aller par ici. Voilà, on va plutôt aller par ici. On va filer un petit coup de main puisque là, visiblement, ils ont un petit peu de mal à les tuer. J'ai envie de dire vite. On a un talent. Le talent rend 10. On va se prendre, bien évidemment, le Ring of Frost. Hein. Donc ça, c'est l'anneau de givre. Encore une fois, qu'on a sur World of Warcraft. Donc l'anneau de givre, je vais le faire là au pif pour vraiment vous le montrer. Vous voyez, hop, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe ce sort. Voilà, autant vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est un truc que j'ai énormément de mal à utiliser. Puisque, vous voyez, on pose un anneau au sol. Et il lui faut 1 seconde 5 pour s'activer. Et toutes les personnes qui passent dedans après sont immobilisées. Et quand ils s'activent, en plus, elles prennent 200 points de dégâts. Donc c'est 464 même points de dégâts. Donc c'est plutôt fort. Mais il faut savoir le placer dans les bons teamfights, etc. Et on va dire que je ne suis pas encore au niveau de ce genre de skill. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors là, par contre, on essayera bien sûr de le caler dans la game à un moment donné, hein, puisqu'on est là pour voir un petit peu tout ce que la petite Jaina a dans le ventre. Donc là, il y a juste Nazibo. Est-ce que c'est utile? Non. Le truc, c'est qu'ils peuvent partir très vite. Regardez, je vais essayer de le mettre. Allez, là. Voilà. Allez, allez, Nazibo. Yes. J'ai réussi à avoir Nazibo. C'est pas mal quand même. Hein. Mais bon, hein, c'est vraiment très fort dans les teamfights. Eh hey, mais alors Moradin, c'est impossible d'anticiper sa trajectoire. Le mec comme un débile, il va tout droit. À aucun moment il essaye de tourner ou quoi. Donc à chaque fois je tire à côté quoi. Regardez, regardez. Allez. Non, je l'ai toujours pas eu là, c'est pas grave. Bon, là on a l'air d'avancer plutôt pas mal. Hop, on casse les tours. Très bien, Moradin il sait plus quoi faire donc il recule. Il backpage jusqu'à sa base. Là un petit Ring of Frost ça aurait été magnifique. D'ailleurs on va faire quoi? On va essayer de faire un petit burst. Voilà, on a essayé d'envoyer un petit peu de dégâts par-ci par-là. Est-ce qu'on va réussir à tuer Arthas? Je ne sais pas. Un petit javelot? Non, je vais mourir parce que je suis stun. Ah, vous avez vu? Je me suis fait avoir par le Ring of Frost de la Jaina adverse. Je suis arrivé, hein, un petit peu trop greedy. J'ai voulu tuer Arthas. Et il y avait le Ring of Frost.
Mais d'ailleurs, il était rouge, donc déjà pour moi, il se voyait beaucoup moins bien que mon bleu. Rouge dans du rouge, je l'ai même pas vu. Donc voilà, autant dire que je me suis fait brain gentiment. Alors là, nous sommes rang 13, qu'est-ce qu'on peut se prendre? On va se prendre le bloc de glace amélioré. Donc ça, c'est pas mal du tout, hein. Encore une fois, c'est comme sur WoW. Dès qu'on est en panique, on appuie sur la touche et pouf, on apparaît, on se met dans un bloc de glace et on est invulnérable. Donc on peut se prendre ça, sinon on diminue les temps de recharge et les coûts en mana, c'est pas mal du tout. Ou augmenter la portée de Blizzard. Tiens d'ailleurs, je vais prendre ça pour le tester, la portée. Parce que d'habitude, je prends le bloc de glace, mais là, on va tester un petit peu la portée, puisque le Blizzard, voilà, va pouvoir aller jusqu'ici, c'est quand même pas dégueu. Bon, là, pendant que les ennemis sont en train de faire je ne sais quoi, nous, on va essayer de se choper un maximum de crânes, puisque quand même, ça fait quand même pas mal la diff, hein, il faut l'avouer. Donc voilà, là, on est plutôt bien, voilà, on se chope 4 petits crânes. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'ils arrivent et qu'ils se disent « Merde, ils ont déjà tout cueilli !» C'est ballot. Voilà, ici. Hop. Les crânes, on les chope. Je crois qu'il y en a un petit peu là aussi. Donc, en plus, il y a Sylvanas avec moi. Ça va aller vite. Voilà. Ces deux dont je parlais. Très bien. Là, on a encore un crâne. À deux, par contre, malheureusement, on va pas pouvoir se faire le boss. Donc là, je vois que Tyrael se fait complètement harceler par toute la bande. Donc on va aller lui filer un petit coup de main. Regardez, ça c'est la pochette surprise. Un Ring of Frost. Hop, hop, hop. Ah, elle m'en fait un outil. C'est bon. Ouf. Lily avec son parapluie. Là, je sais pas trop où elle se croit, mais je crois qu'il va falloir la calmer très, très vite. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Un petit cône de froid. Ouais, j'ai fait pas mal, hein. Vous avez vu, je fais pas très, très mal. Il faut l'avouer. Bon, écoutez. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils back? Eh oui, ils back. Donc là, non, nous, on va se faire le boss quand même très rapidement. Est-ce qu'on va pouvoir faire un petit ping? Je ne sais pas. Mais ce serait pas mal quand même de prendre l'avantage en faisant ce boss. Voilà. Alors ouais, Jaina, quand même, personnage cool, hein. Je pense qu'il y a un burst assez intéressant à faire avec ce perso. Burst que je ne maîtrise pas encore, mais comme je vous l'ai dit, ça vient avec le temps. Là par contre on va éviter d'être le tank, hein. Non, tu vas taper s'il te plaît quelqu'un d'autre mais pas moi. Est-ce que Rhaegar pourrait me filer un petit heal s'il vous plaît? Ce serait fort appréciable. Donc là visiblement ils sont 4, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pop ici. Là ils sont, ouais, ils sont 4 ici, donc ce serait pas mal de pouvoir se battre contre eux tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Aïe, ok. Tout le monde rentre. Il s'est dit what? Bon, là par contre c'est pas sur moi. Non, c'est pas sur moi qu'il faut taper. Dégage-toi. Voilà, un petit javelot. Il est chiant à tuer, hein, Mouradine. Il est vraiment vraiment chiant. Et bah Arthas aussi en fait. Hop, voilà un petit blizzard. Là on va faire un cône de froid. Hop, un éclair de givre. On essaye d'infliger des petits dégâts par-ci, par-là. Voilà, comme ceci. Et pourquoi pas un Ring of Frost juste ici, hein, pour un peu que qu'un ou deux mecs décident de slack. Le vôtre est beaucoup plus. Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par celui de Jaina ou pas? J'ai même pas fait gaffe là. Vous avez vu un petit peu les erreurs de noob que je fais? Je ne regarde pas ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je pourrais éviter la mort à 100%. Hein. Je veux dire, il n'y a même pas d'excuses ou quoi que ce soit là-dessus. Sauf que j'étais en train de me dire où est-ce que je peux positionner mon Ring of Frost. Je me disais, si je le mets un peu derrière eux, ils ont tendance à avancer, donc je vais encore passer pour un con parce que je vais le mettre dans le vent. Si je le mets devant et qu'il recule, pareil, comment je vais faire? Ah bah bon, bah je suis mort. Bon. Donc ouais, quelque chose de très important, gardez un œil sur votre barre de vie. Je pense que c'est quand même le plus important. Allez, niveau 16, on va partir sur l'exposition nord, donc augmente les dégâts subis par les ennemis avec le cône de froid. Donc lorsqu'on fait un cône de froid, on augmente les dégâts de 25%. Donc c'est là qu'on va dire que notre burst peut être intéressant. On arrive sur un ennemi, on fait cône de froid, blizzard. Et blizzard en fait et éclair de givre seront améliorés. Donc feront beaucoup plus mal. Alors là ce qui est cool c'est que notre golem il est ultra bourrin, hein. Donc lui il pose de questions à personne. Et donc la team rouge est obligée de back. Donc c'est parfait. Alors là il y a Tyrael qui avec 2 PV décide de faire les eux là. Les mercenaires, voilà. Donc on va lui filer un petit coup de main. Voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, eh ben, on va juste aller gagner la partie, quoi. Voilà, hein, je pense tout doucement. On va aller gagner la partie. Voilà, voilà.
Eh bien écoutez, c'est terminé pour cette game. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas le meilleur joueur de la Terre, mais le plus important pour nous, c'est de voir un petit peu comment fonctionne Jaina, assassin à distance, avec des sorts de givre qui permettent aussi de contrôler la cible, donc ça reste très très agréable. Et je passe niveau 14, eh oui, ce qui est pas mal, hein. C'est complètement ridicule par rapport à la plupart des joueurs, mais moi je suis plutôt satisfait. Voilà, voilà. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite des héros. Tchuss!